correspondant à Paris, ça se passe beaucoup sur la route. Parce que je couvre non seulement toute l'Europe, mais même jusqu'au Moyen-Orient. Ce matin, nous partons de Bonn, en Allemagne. Mon caméraman Laurent et moi-même pour nous rendre dans le petit village de Yunde. Tourner un reportage sur l'énergie renouvelable. C'est la difficulté lorsqu'on est dans un pays qu'on ne connaît pas, comme l'Allemagne, où on ne parle pas la langue, c'est de se retrouver. Alors, heureusement, on a une voiture avec un GPS cette fois-ci. Donc, je vais tenter de programmer un petit village pour voir si on peut se rendre. Bon, Yunde. L'itinéraire est en cours de calcul. Ce que j'aime du métier, c'est partir, comme ça, à l'aventure, à la recherche de gens qui incarnent des réalités. Déjà, en voyant défiler les champs de colza qui servent aux biocarburants et les éoliennes, on sent que l'Allemagne est à des lieues du Canada pour ce qui est de l'environnement. Le petit village de Yunde, où nous allons, est totalement autosuffisant en énergie. Ça va nous permettre de mieux expliquer ce qui se fait ailleurs et mettre en contexte, surtout, la nouvelle politique du gouvernement Harper sur Kyoto. Bonjour, Madame Parano. J'étais venu à Yunde l'an dernier, lorsque le projet d'usine de bioénergie était encore sur la planche à dessin. Aujourd'hui, je retrouve les Pfaffenholz, Jeanne-Marie et son mari, Gerd. Nous allons passer l'après-midi à les interviewer et à tourner des images de l'usine qui fonctionne au fumier de vache. Vas-y, Lara, saut! Laurent, fidèle à son habitude, ne recule devant rien pour tourner toutes les images nécessaires au reportage. Le tournage terminé, il faut monter le reportage et pour cela, il faut installer la salle de montage portative à l'hôtel. On repère d'abord les extraits d'entrevue, puis, pendant que Laurent note les images, j'écris le commentaire. Une fois terminé, je l'enregistre. Laurent assemblera tout cela pour en faire un reportage que nous alimenterons à Montréal par satellite à partir d'une station de télévision locale. Dernière étape, le plateau, c'est-à-dire la signature devant la caméra, pour bien montrer qu'on était sur place. Il faut souvent composer avec les éléments. Aujourd'hui, c'est la pluie. Une dernière prise et on rentre à Paris, avant de décoller pour une nouvelle destination. Michel Cormier, Radio-Canada, Yunde, en Allemagne. Natif de Cocagne, mon frère, Michel Cormier, est le fils aîné de Flora et de François Cormier. Michel, c'est celui à droite sur la photo. Il a 4 ans. Celui qui deviendrait un jour journaliste international avait, petit garçon, une peur bleue de tout ce qui s'appelait caméra ou télévision. Le destin nous réserve parfois de drôles de surprises. Les 100 acres de terre de l'ancienne ferme que mon père avait achetée pour une bouchée de pain étaient pour nous trois petits Cormier un terrain de jeu inépuisable où n'avait que limite notre imagination. Arrivé à la polyvalente Clément Cormier, Michel, encouragé par Léonard Alain, notre voisin de Cocagne, s'est jeté à plein pied dans les activités sportives. Il y a fait de nombreuses amitiés qu'il conserve encore aujourd'hui. Son passage à Clément Cormier a aussi été agrémenté de voyages. En 1974, accompagné de Léo Alain, il a fait partie du premier groupe de l'école à visiter un pays étranger, la Grèce. Quelques mois plus tard, il se rendrait avec un autre groupe à Sylvan Lake, en Alberta. En 1975, Michel terminait ses études à Clément Cormier. Il a fait une première année à l'Université de Moncton, puis a obtenu un bac en journalisme de l'Université Carleton à Ottawa. C'est là qu'il a rencontré sa conjointe Anne Bernier de Charlebourg au Québec, jeune sportive qui se promenait en tout temps avec un dictionnaire anglais-français sous le bras. En 1986, ils se marièrent et eurent 3 beaux garçons. Nous vous les présenterons plus tard. Alors qu'il faisait son bac, Michel a eu la grande chance de travailler l'été à Radio-Canada Moncton comme stagiaire. C'est de cette époque que date sa fameuse veste faux cuir orange, dont il aimerait bien un jour voir la fin. Après son bac et quelques années de travail intense et formateur à Moncton, en compagnie de collègues comme Marc Bastarache, Bob Malenfant et Achille Michaud, pour ne nommer que ceux-là, Michel était prêt à poursuivre ses études. Une maîtrise en sciences politiques de l'Université Laval lui a ouvert les portes de Montréal à Dimanche Magazine, puis celle de Toronto à Sunday Morning. Marc Bastarache, qui a été son premier réalisateur à Moncton, a bien voulu nous raconter quelques souvenirs de cette époque. La première fois que j'ai rencontré Michel Cormier, c'était à l'occasion des portes ouvertes qu'on avait organisées à Radio-Canada.
Et puis, c'est en 1976, moi j'étais déjà à Radio-Canada depuis 5 ans, j'étais affectateur. Et puis parmi les jeunes qui étaient venus aux portes ouvertes, il y avait Michel Corbier. Mais il était très, très timide. Et puis le chef de nouvelles de l'époque, Gilles Brodette, m'a dit « Va chercher ce gars-là, puis essaye de l'attirer vers nous, puis expliquer qu'est-ce qu'on fait ici à Radio-Canada. » Michel était à la cafétéria. Quand je suis allé le chercher, j'en revenais pas. Il avait la tête plus large que les épaules. Il avait un afro gigantesque, plus large que les épaules. Et puis plus tard, il m'a dit, pourtant je m'étais fait couper les cheveux pour cette occasion-là. En tout cas, moi, je trouvais que c'était l'afro était affreux. Mais je lui ai dit, viens avec moi, puis sors d'ici de la cafétéria, puis il faut que je te montre ce qu'on fait en studio, tout ça. Il est venu avec moi, puis on a enregistré une interview, puis on a fait, il a fait un texte, puis il a fait un topo, puis on se reprenait souvent, puis il était excellent. Mais je disais aux autres avec moi, j'ai pas l'impression qu'il va faire un journaliste. Il est beaucoup trop timide. Moi, je serais étonné qu'il soit un journaliste un jour. Regardez ce qu'il est devenu. Ça fait, j'étais assis avec Benoît Duguay à un moment donné, puis il nous manquait un journaliste aux affaires publiques. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses de lui? Michel s'en allait vers sa voiture dans le parking. Il dit, ça, c'est une bonne idée. Tout de suite, il a embarqué avec nous, puis ça a été merveilleux. On a travaillé, je sais pas combien d'années aux affaires publiques, mais des expériences inoubliables. Mais Michel, ce n'est pas simplement un journaliste, un conjoint et un père de première classe. C'est aussi un bon vivant qui ne manque jamais une occasion de rire et, avouons-le, de se moquer d'autrui. Bien, Michel, c'est un bon vivant, puis un bon sens de l'humour. Puis, c'est un pince sans rire à part ça. Ça fait qu'une fois, j'ai demandé comment il avait trouvé ça, l'expérience d'interviewer Vladimir Poutine. Puis, il m'a dit que ça s'était vraiment bien déroulé, que M. Poutine était vraiment gentil. Puis ensuite, il me dit, j'y parle régulièrement depuis ce temps-là. J'ai dit, ah oui, comment ça tu y parles régulièrement? Il dit, oui, il m'appelle pour me consulter, pour me demander des conseils sur toutes sortes de choses. Puis il dit, là, je commence à trouver qu'il est un peu tannant, là. Ça fait que bien sûr, c'était pas vrai, mais moi, je le croyais, là. En l'an 2000, Michel réalisait son rêve, être correspondant à l'étranger. Sa première affectation, Moscou. L'adaptation n'a pas été facile, mais sa famille s'est serrée les coudes et a fini par s'habituer à vivre dans un pays totalitaire qui s'en allait, comme on dit, à la Valdrague. Comment s'est fait l'adaptation à la Russie? Ben, je veux dire qu'on attend encore le choc, parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un choc culturel, puis on ne l'a pas vraiment ressenti, parce que contrairement à ce qu'on pense, on manque de rien en Russie. Enfin, les Russes n'ont peut-être pas les moyens de tout acheter, mais nous, on a des meilleurs salaires. Donc, au plan matériel, c'est pas un grand problème. On peut trouver de tout. Les enfants se sont adaptés à l'école très facilement. Ils vont à l'école française. Et ce qui est le plus difficile, évidemment, c'est la langue. Parce que là, on baigne dans un environnement où on ne comprend pas ce que les gens disent. Alors, au début, ça donne lieu à des affaires assez cocasses. La première fois qu'on est allé à l'épicerie pour s'acheter des choses, on ne savait même pas comment dire « oignon ». Alors, ça allait vraiment mal. Parfois, il y a des quiproquos aussi. Bon, il y a des mots qui... Par exemple, quand on veut changer de l'argent, c'est baliout, ça veut dire devise étrangère, mais baliout, ça veut dire enfariner, donc se rouler dans la farine. Alors si on a la mauvaise intonation, on peut faire rire les Russes assez facilement. En plus, son territoire comprenait des endroits de guerre et de terrorisme, comme la Tchétchénie et l'Afghanistan. Tout cela, il l'a vu et il nous l'a raconté. Pour lui, si les gens de cocaïne ne comprenaient pas ce qu'il racontait, il n'avait pas bien fait son travail. Après 5 ans passés en Russie, Michel a été affecté à Paris. Cette fois, son territoire s'étendait de la Palestine à Londres. Et 2 ans plus tard, c'est à Beijing qu'il s'est retrouvé avec toute sa famille. En plus de son travail de journaliste qui l'a amené dans tous les coins du monde, Michel a trouvé le temps d'écrire 3 livres. Une biographie de Richard Hadfield avec son ami et complice Achille Michaud, une biographie de Louis Robichaud, et son dernier livre, « La Russie des illusions », qui lui a valu d'être finaliste pour le prix du gouverneur général. Pendant ces années, ses fils, Philippe, Dominique et Samuel, ont suivi leur père dans de nombreux pays. Et Anne, toujours au-dessus de ses affaires en n'importe quelle circonstance, en a profité pour organiser des voyages en famille en Géorgie, en Égypte, en Thaïlande et en Inde. En juin 2011, Michel est devenu directeur Radio-Canada Acadie. Nous laissons donc Michel et sa famille au Cap de Cocagne, où les étés coulent comme du miel au soleil. Bienvenue chez toi, Michel. Michel Cormier, à Moncton. Michel Cormier, Radio-Canada, Québec.
Michel Cormier, Radio-Canada, Moscou. Michel Cormier, Radio-Canada, Prague.